amoureux de la deux chevaux. Bonjour. Bonjour. Alors, cette belle deux chevaux, elle date de quand? 1983. Alors, on va sortir, tiens, on va sortir. On peut mettre un petit coup d'accélérateur encore? Ah, la deux chevaux, la Regardez comme elle est belle. Elle n'est pas toute seule, il y en a d'autres aussi. Alors, on va expliquer un petit peu. Une passion pour la deux chevaux, c'est ça? Ah, c'est il y a très longtemps. Bernadette a eu sa deux chevaux quand elle a eu son permis. Oui. Et on s'est rencontrés et après on a un petit peu abandonné. On a notre vie a changé et à la retraite, c'était le coup de cœur. La deux chevaux. On a racheté une deux chevaux et on a fait partie du club de deux chevaux club Charolette. Le deux chevaux avec un VEAU dans le Charolais, c'est obligatoire. Ben oui, et le symbole, c'est le petit veau, vous allez voir sur le site. C'est le petit veau, alors voilà. Bernadette, justement, alors, amoureux, bien sûr, du mari, mais de la deux chevaux aussi. Ah ben tout à fait, c'était ma première voiture, donc ouais. Je suis restée fidèle à la deux chevaux. Le bruit voilà. Est magnifique, qu'est-ce qu'elle a, on va s'avancer un petit peu, on va bien la montrer, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fameuse deux chevaux, alors, pour qu'on l'aime tant, justement. Alors on l'a fait un modèle couleur blanche et bleue, donc on a fait un petit peu une personnalisation quoi, donc voilà. C'est sympathique. Voilà. Alors c'est marqué Jokrich Kerno, qu'est-ce que ça veut dire? Les initiales des anciens propriétaires. Ah, on a gardé les initiales des anciens propriétaires dessus, donc voilà. Alors deux chevaux justement, Charolais, on va en parler, restez avec nous, mettez un petit coup de moteur, on va aller voir le vice-président qui est à côté, c'est la sienne à lui. Voilà, et après on ira voir, c'est Bernard, puis après on ira voir à côté, regardez Françoise. Ah le bruit extraordinaire, Bernard. Oui. On est amoureux de toutes les deux chevaux, Bernard. Ah ben, évidemment, jeunes, les moins jeunes. Le club, combien de personnes dans le fameux club de Charolais? On est 17 adhérents. Et alors là, c'est une Charleston, c'est ça? C'est une Charleston. Alors c'est quoi la fameuse Charleston? Elle date de l'époque Charleston? Au départ, c'était une série limitée. Oui. C'est le 2 chevaux 6 club du départ qui a été transformé en Charleston avec des couleurs différentes. Oui. Et finalement, ils l'ont fait en série. La Deuche, plus qu'un mythe, une légende, vous confirmez Bernard? On peut la démarrer aussi? Bien sûr. On va l'écouter avec les mains. On va aller voir Françoise. Françoise qui est juste à côté avec l'Acadiane, regardez. Eh bien ça, c'est fabuleux. Les deux chevaux présents ici, les... Le bruit est incomparable, il n'y a pas deux voitures qui font ça au monde. Ah, il n'y a que les deux cylindres Citroën. Voilà, et une tenue de route remarquable. Ah ben sans problème, ça dérape tenue de jamais. Route, confort, sur la neige partout. Sur la neige partout, regardez, il va rester à côté de nous. Alors on change de... Dans le désert, parce que j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc. Avec les deux chevaux. Ouais. Et la Corse. Et le Portugal. Le deux chevaux club... justement, et c'est Jeannette, mais c'est Françoise. Françoise, oui. C'est l'Acadienne, c'est la cousine de la deux chevaux. C'est la cousine de la deux chevaux en camionnette. En camionnette. Elle est bien pratique, comme on dit. Ah oui. Oui. On y met tout, on y couche, on fait ce qu'on veut avec. Vous dormez dedans? Ça m'est arrivé. Vous montrez un petit peu l'intérieur. Voilà. Incroyable, effectivement. Et on met un matelas et hop. C'est quoi le bonheur de conduire une Acadienne, une deux chevaux? Pareil que les deux chevaux. Pareil. Ah ouais. C'est tout pareil. On peut la démarrer aussi? Oh oui. On va la démarrer, puis après on ira voir Michael, justement. Regardez, les deux chevaux ici. On va écouter le bruit de la Jeannette, c'est la voiture de Françoise, du deux chevaux club. Le sourire de Françoise en dit long. Merci beaucoup. On va retrouver Michael qui est par là justement. Merci beaucoup, restez avec nous, venez nous rejoindre. Michael va venir nous rejoindre. Et moi, Michael, j'aime bien son maillot, Michael. Tiens, montre-nous le maillot, Michael. Qui boit l'agneau? Castabagnole. La bagnole. Regardez comme c'est beau. Dis donc, elle est à vous, cette deux chevaux, là? Oui, c'est à moi. Oui. Alors, il y a la deux chevaux, puis en même temps, derrière, elle est magnifique. Vous avez maintenant aussi la mobilette qui va avec. Il y a souvent deux chevaux mobilettes associées, c'est normal, ça? Bah, c'est à peu près les mêmes époques. Oui. Donc, c'est souvent que les gens... Ça va ensemble. Avaient les deux. Ils avaient les deux, on va bien la montrer, cette mobilette bleue. Hein. C'est une quoi comme mobilette?
C'est une AV88. AV88, justement. Est-ce qu'on peut la démarrer, la 2 chevaux, Michael? Oui, bien sûr. On va la démarrer. Regardez, toujours le 2 chevaux club Charolais. Charolles, c'est la capitale du Charolais. Écoutez le bruit. Le bruit du moteur. Magnifique bruit, elle est magnifique. Vous êtes carrossier, Michael? Oui, je suis carrossier de métier. Oui. Et donc ça aide bien quand même? Ah bah oui. Vous roulez avec beaucoup? Ah, c'est souvent, on est ouais. C'est quoi le plaisir de rouler avec la 2 chevaux? Elle est magnifique à l'intérieur, elle est absolument superbe. C'est quoi le plaisir de rouler avec? Ah bah la plaisir de conduite, c'est incomparable. Il y a le son, le confort. Il y a le confort aussi. Ah, oui, tout est là. Et la tenue de route? Oui, la tenue de route aussi. Oui. Voilà. Ouais. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup au 2 chevaux club de Charolais. Merci beaucoup. Avec ses pâtés.